La décrue est maintenant effective depuis 10 jours. C'est une décrue qui est relativement lente. Le niveau de l'eau au niveau du pont de Palissy à Sainte est maintenant inférieur à 5 mètres, alors qu'au plus fort de l'événement, il était à 6 mètres 18. Alors notre zone d'intervention s'étend des limites du département de la Charente, depuis des communes de Chérac et Salignac sur Charente, jusqu'aux écluses de Saint-Savinien et la commune de Lemain. Nos missions principales pendant la décrue sont des opérations de pompage. Pompage d'eau dans des locaux pour lesquels l'eau ne va pas s'évacuer naturellement. Donc il s'agit soit de caves de maisons d'habitation, soit de parkings souterrains, en particulier les parkings de la ville de Sainte. Nous effectuons également des opérations de lutte contre la pollution. Nous accompagnons des sinistrés pour regagner leur domicile, par exemple sur les communes de Brive-sur-Charente ou de Courcoury. Au plus fort des opérations de décrue, 70 sapeurs-pompiers ont été engagés avec 22 véhicules afin de répondre à la fois aux demandes des sinistrés et également aux demandes des maires. Lorsque les sinistrés regagnent leur domicile, il est impératif de faire un contrôle des installations de gaz et d'électricité et il ne faut surtout pas mettre en œuvre des pompes thermiques dans des locaux qui sont confinés en raison des dangers liés au gaz de combustion.